I love one eight. Salut tout le monde, c'est Wallem et on continue aujourd'hui avec les essentiels de l'électro. Relax. Quand on ne parle pas des Prodigy, c'est les Chemical Brothers qu'on a en tête. Duo de Manchester, créé après le boom du Manchester, ce groupe fait partie du fer de lance de la vague Big Beat. Le Manchester, c'est une des périodes les plus importantes de l'histoire du rock, avec un point culminant à la fin des années 80. Mais c'est tellement fou et riche qu'il me faudrait bien plus d'une heure pour mal résumer le mouvement, alors que vous prendriez tellement plus de plaisir à lire le bouquin de John Robb. Les Chemical Brothers ont sorti 8 albums studio, une compile, un live et une BO et on va se garder sous le coup 2 LP. D'abord Dig Your Own Hole, qui affiche le talent et la supériorité de ce duo au drumbeat infernal. Cet album est réellement punk, mais aussi orchestral, avec un sound design poussé à l'extrême. Et comme je sais que vous aimez bien les petites histoires, voici quelques anecdotes. Le troisième morceau de l'album, Electrobank, reprend un sample vocal de Keith Murray, issu de son morceau This Is That Shit. Le clip complètement décalé par rapport au morceau met en scène une compète de gym. Il a été tourné par Spike Jonze, le mec qui a fait Dans la peau de John Malkovich, Adaptation, Her, Max et le Maxi Monstre, et le clip Da Funk des Daft Punk. Le clip a pour héroïne Sofia Coppola, fille de Francis Ford Coppola et future ex-femme de Spike Jonze, mais aussi la future réalisatrice de Virgin Suicide qui sortira 2 ans plus tard. Toujours sur le morceau Electrobank, la ligne de basse complètement surréaliste est jouée par Ali Friend, contrebassiste des Red Snapper, groupe fabuleux qui mélange texture électronique et instruments live. La fin de ce morceau a été utilisée pour une publicité des pneus Pirelli, mettant en vedette Marie-Josée Pérec, la triple championne olympique très appréciée des Français, les grands comme les petits. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que lui, reste tout près de lui. Et enfin, il y a un caméo de Tom Roland et Ed Simons, mais c'est un classique, ils apparaissent assez souvent dans leurs clips. Autre petite anecdote, le morceau Setting Suns a en featuring Noel Gallagher, l'un des frères du feu groupe Oasis, qui est considéré à l'époque comme LE groupe de rock, celui qui a révolutionné le genre, les Beatles des années 90, les messies du riff. On parle en Grande-Bretagne d'Oasis Mania, et ce featuring revient à braquer tous les projecteurs sur la scène électro. Eh oh, ça va là? Oh merde, pardon, je me suis cru un peu chez moi. Excuse. On n'en est même pas à la moitié, il y a un putain de featuring. C'est trop la balle cette émission. Et effectivement, cette ressemblance douteuse a donné lieu à un procès entre les ayants droit survivants et les Chemical Brothers. A savoir qu'en plus, le titre original de la chanson devait être Tomorrow Never Noel, faisant référence au prénom du frère Gallagher, mais aussi au titre de la chanson originale Tomorrow Never Knows. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Mais de toute façon, les Beatles ont été déboutés, les Chemicals ayant réussi à prouver qu'ils n'avaient utilisé aucun sample de la chanson. Et comme quoi, quand t'as un bon avocat, le copyright, c'est... Mais il faut le reconnaître, les Chemical Brothers l'ont dit dans plusieurs interviews, ils revendiquent la ressemblance avec ce morceau, qui est pour eux un manifeste musical. On a beaucoup parlé de Dig Your Own Hole, mais venons-en à Surrender. Album sorti en 99, il est très différent du précédent. Beaucoup plus clubbing underground et moins rock. Je ne pouvais pas faire l'impasse cependant, car leur meilleur morceau est dessus. C'est acide avec une pointe de trance, ça envoie du kick et il y a un break très simple, mais oh bordel que c'est efficace. Les Chemicals cherchaient peut-être à montrer ce que devait être une track dance floor et c'est une réussite totale. Je me suis arraché les cheveux sur ces deux albums, rock ou électro. En tout cas, on va parler de Primal Scream. Primal Scream, c'est donc un groupe écossais. L'histoire de ce groupe est fabuleuse. Des débuts de galériens à dormir dans des sacs de couchage sous une console 24 pistes bon marché dans un studio glacial londonien, avec un premier album honni par le public et la critique, les Primal Scream avaient du talent mais ils n'y arrivaient pas. Le chemin, le choix artistique était faussé. Un rock démodé inspiré des Byrds, avec des airs de post-punk mancunien trop en avance sur son temps. Des gens qui n'y arrivaient pas jusqu'à la rencontre avec le DJ Andrew Weatherall,
qui changera radicalement la trajectoire du groupe et de la musique anglo-saxonne en général. Formé en 82 et ne bénéficiant que d'une petite reconnaissance, c'est 8 ans plus tard sous l'influence du DJ Andrew Overhaul que la chrysalide se brise. Ce DJ va réassembler un ancien morceau du groupe et donner aux Primal Scream l'opportunité de transformer leur musique. Mais qui est Andrew Overhaul ? C'est un DJ anglais underground, résident du Shoom, boîte londonienne qui fut connu comme l'épicentre de la révolution du nightclubbing. Après qu'Andrew Innes, guitariste de Primal Scream, lui a ordonné de détruire la chanson, il revient avec une première mouture. Et repart aussitôt avec une demande spéciale, inclure les mots d'Henry Fonda prononcés dans The White Angels. But tell me, just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Yeah! On parle de Screamadelica comme l'album le plus marquant et le plus culte de la scène rock. Tonight I'm Gyp Travolta, I'm Peter Popper, I'm going to Never Neverland with my chosen family, man. I like the freedom of this record. I think that this record is like, it's not a record that anyone could have planned or that could have designed in a room. It's almost in a way a record that like one band entirely to themselves couldn't have designed or made, because it's so free and it's so weird and it's so forward thinking, you know, and maybe some of that, you know, a lot of that obviously came through the collaboration with Weatherall, but I think that for us it was like just realizing that we didn't need to be anything that anybody else thought we should be, you know, but the only thing that matters is the way that we feel about it and we want to make music that's free, basically. Plusieurs magazines le classent en tête des meilleurs albums de la décennie, voire de tous les temps. À savoir qu'il a sa place dans le livre de Robert Demery, les meilleurs albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Et je vous laisse vous faire votre avis sur cet album. Et on va passer à Vanishing Points, autre album de Primal Scream moins connu mais tout aussi expérimental. Le titre fait référence au road movie de 1971 du même nom, où un homme se lance le défi de ramener une Dodge de Denver à San Francisco en moins de 15 heures. Ce serait à croire que cet album a été conçu uniquement pour habiller le film de bout en bout, tant les références sont nombreuses. Kowalski déjà. Titre phare de l'album est aussi le nom du héros du film. Les musiques, elles, mélangent largement samples triturés aux parfums 70s avec des guitares psychédéliques très agressives. Autant vous prévenir, cet album peut déstabiliser par son approche. Et l'on trouve des morceaux très psychés avec des titres très proches de la veine rock blues américain. Et pour finir, sans trop pousser l'analyse, la fin de l'album est beaucoup plus libre. On y trouve un morceau avec Lenny Kilminster et le morceau composé pour Trainspotting. Ça fait un peu rajouter la va-vite pour avoir une longueur décente et c'est dommage. Par contre, petit bonus, si vous reconnaissez le riff de guitare de Who Is He, de Bill Withers, compositeur soul des années 60, vous avez effectivement une bonne oreille. Il s'agit d'un sample réarrangé. Moi, ce qui me ferait kiffer, c'est d'avoir un album avec Thom Yorke. Et Portishead. J'adore Thom Yorke. C'est bien, ça. The Eraser, c'est un album. Et oh putain, si on pouvait voir les Beastie Boys. Ouais, mais moi... Ouais. Je préfère... Un album de métal avec... La pop à mer des verbes. Puis aussi... Un truc dark. Je sais pas... Metallica. Diddy Shadow. Yeah, bah ça a été fait en 94 et nous allons parler de Uncle. Uncle est donc un collectif fondé entre autres par James Lavelle, boss du label Mowax, label qui sortira Science Fiction, premier opus du collectif Uncle. Quitte à... Mais allez choper des disques sur Mowax, vous allez faire plaisir à vos oreilles. Blackalicious, DJ Shadow, Crush, si ces noms vous disent quelque chose, bah c'est sur Mowax qu'il faut aller les chercher. Donc Science Fiction est un objet de contre-culture qui cherche l'expérimentation, la valorisation du sample au détriment du copyright system, car il considère celui-ci comme un objet indépendant du son d'origine qui a été échantillonné. Vous pouvez d'ailleurs aller checker la pochette, peu d'annotations faisant référence aux ayants droit apparaissent. Et c'est voulu, le projet cherchait à être aussi underground que possible. Et c'est une putain de réussite. On obtient des objets musicaux d'une beauté rare, et surtout une très jolie passerelle entre l'électro et la musique instrumentale. L'exemple le plus marquant étant Rabbit in Your Headlights avec Thom Yorke au chant. Avec des samples très très recherchés, comme le passage au piano de Pudding and Gisteren de Super Sister, il a fait que je fasse tourner Google pour celle-là et désolé pour mon allemand. Et on trouve aussi un sample du fabuleux film L'échelle de Jacob. If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Je vous invite aussi à écouter l'album Never Neverland, sorti en 2003, avec le fabuleux morceau An Eye for an Eye, dont le clip a gagné un MTV Award plus que mérité. Alors je crois qu'on va se quitter là parce que ça fait déjà relativement long. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les liens des documents que j'ai utilisés pour l'émission.
Réellement, checkez-les, par exemple pour l'histoire de Primal Scream. C'est un truc de fou qui est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai dû condenser pour cette émission. Sincèrement, allez checker, l'histoire est complètement cinglée, vous allez entendre parler d'Alan Maggie. Enfin bon, vous verrez, c'est un truc absolument génial. Et un grand merci à Nounou de la chaîne Musique Antique pour son featuring. Allez voir sa chaîne, vous allez vous faire plaisir, on y parle de pochettes, de vinyles et bien sûr de musique. Il est grand, il est beau, il sent bon, le sable chaud, c'est... Je vous bade, je vous kiffe, je vous love. Ces essentiels étaient plus concentrés sur des groupes qui ont mélangé électro et rock, et qui ont obtenu un produit absolument génial. Mais ne pensez pas que ça s'est produit à cette époque-là, c'est pas du tout ce que je cherche à dire. D'ailleurs, vous le savez, avec l'histoire du krautrock, de Kraftwerk, de New Order, etc. Mais c'était important pour moi de vous en parler, histoire de vous initier à des groupes que vous ne connaissiez peut-être pas, et qui ont réellement marqué l'histoire de l'électro. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et vous pouvez ne pas me suivre sur Facebook, parce que j'ai rien à vous proposer. Par contre, pour l'esthétique, Twitter, ça peut le faire. Et on verra si on se ferait pas une petite émission thématique sur la prochaine, parce que ça manque un peu. Allez, ciao, à la plus.